tu grand maître avec nous toutes. Et avec nous-mêmes tous. Mais pour nouvelle Jésus-Christ d'après Jean qui sait. Le ça, Jésus dit, baptisant Lio. Moi, c'est vrai, Pierre Rézin. Papa, c'est cultivateur. Toute branche n'a moins qui pas donné fruit, la brûle-t-elle. Toute branche qui donne fruit, la nettoie-elle pour donner plus fruit. Nous-mêmes, nous déjà propres grâce à la parole là, nous étions parlé nous. C'est pour nous être dans moi, et puis moi-même dans nous. Même Jean branche là, pas capable de donner fruit pour qu'on te s'il paraît dans pied raisin. Moi, ça tout, nous-mêmes, nous n'en plus, si nous pas arrêter dans moi. Moi, c'est pied raisin, nous, c'est branche. Moi qui paraît dans moi, et puis moi-même dans lui, moi, ça, mon ça, donner en pile. Parce que c'est dans moi-même, nous capables de faire, sans moi-même, nous pas capables de faire rien. Si un monde paraît dans moi, il y a jeté le dehors, ton coup branche là, l'a séché, il y a ramassé, il y a jeté dans le défait, l'a brûlé. Si nous retenons moi-même, et puis parole moi yo retenons nous, tout ça nous voulait, nous mettons d'elle, l'a privé pour nous. C'est dans ça, papa me joue une belle telle pour nous donner un peu de fruit pour nous venir baptisant. On nous fait l'orange pour parole bon Dieu. Frère avec Semio, ça fait déjà quelques semaines. Nous t'ai mobilisé nous en solidarité avec pays nous pour nous taper la prière bon Dieu pour frère nous yo prêtre religieux avec tout l'autre monde yo kidnappé dans pays d'Haïti et nous t'ai senti vraiment ça nous fait expérience en réalité de ça que Jésus a demandé nous, de ça que bon Dieu attend de nous, esprit de solidarité et de fraternité que nous devons cultiver en tout temps. Et nous garder réellement, on sait l'événement, vu le fait que nous-mêmes réellement, nous voulons reconnaître vraiment cet événement, ça a fait nous découvrir, le fait nous reconnaître que réellement, nous, c'est haïtiens. Nous, c'est haïtiens et cause pays, nous, c'est cause pas. Nous, situation pays, nous, c'est situation pas. Nous, quel que soit côté que nous y a, bien que parfois, parce que nous disons, il y a des gens dans le pays, nous, en Haïti, qui doivent penser que nous sommes des étrangers, parce que nous pas pays, nous pas dans le pays. Hein, et pourtant, nous toujours vivons esprit de solidarité nous-mêmes à partir de bénédiction, grâce que bon Dieu ben nous pour nous partager avec frère, avec ceux nous qui dans le pays. Nous, ça veut dire que nous vivons esprit de fraternité, ça, de solidarité, ça, son bagage que nous vivons chaque jour. Mais nous vivons dans l'autre dimension, dimension de souffrance, dimension de violence. Côté que pays nous vient prendre une direction qu'on y a vraiment et tout le monde a demandé qui côté ça pour aller. Est-ce que pas gagner un monde qui gagne pour dire un mot? Eh bien, pour aller camper parce que nous pas reconnaître visage Haïti, nous pas reconnaître visage haïtien dans ça qu'a fait qu'on y a dans pays nous en Haïti. Et archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, il demandait toute prête, que ce soit en Haïti ou bien bon ici nous-mêmes, qui était à vivre esprit de solidarité, ça,
avec frère nous, sœur nous, dans souffrance yo, et qui t'a intercédé bon côté bon Dieu pour nous prendre journée aujourd'hui comme un jour d'action de grâce pour nous dire bon Dieu merci pour libération frère nous avec sœur nous yo. Pour nous dire merci du fait que l'écouter la prière nous. Nous mettez, c'est certain, en pile dans nous, t'es senti comme si c'était trip nous qui t'a arraché. Et les gens qui n'a pas parlé avec eux, qui ont dit, ils sont pas capables encore. Comme s'il y a tant de paroles pour dire, ils ont libéré Père, ils ont libéré religieux, ça. Parce que c'est des gens vraiment qui font sacrifice. Nous avons suivi un petit reportage. Français, ils ont été sentis vraiment indignés. Ils ont dit que pour malgré tout ça que lui-même lui fait, pour sacrifice que prêtre ça lui fait, Père Michel lui fait pour Haïtien, et puis c'est ça que Bali encore en retour comme récompense. Réellement, c'est pas tout Haïtien qui est mauvais. Bien, tout simplement, ils prennent l'autre direction à partir de l'argent, de pouvoir, corruption qui gagne dans le pays, non? Eh bien, mais en général, Haïtiens, c'est des mouns qui gagnent reconnaissance que nous reconnaissons vraiment les mouns font nous bien. Eh bien, nous connaissons vraiment. C'est une raison, il y a des mouns qui t'ont senti vraiment, ils ont touché par rapport avec des étrangers, des missionnaires qui venaient pour payer nous, pour aider payer nous dans l'école, dans faire l'école, dans, pour capable et dans éduquer. Et puis voilà que ça qui est arrivé. Et nous t'es senti réellement. Il faut que nous solidarisions dans la prière pour nous être capables de joindre la libération non seulement haïtien, mais français qui vraiment des étrangers qui viennent la caille, qui viennent aider nous pour nous demander, bon Dieu, pour les libérer dans bas, mais méchants. Nous avons continué la prière pour l'autre frère avec ce nous qui. Cap souffri, en pile bagay a passé. En pile cas de kidnapping toujours a continuer fait chaque jour dans pays non et que nous besoin pour bagay ça a camper en Haïti. Et c'est ça et puis c'est pas la prière nous pas fini à partir de libération religieuse religieuse et bien c'est pour nous continuer mobiliser nous dans la prière pour nous demander bon Dieu pour retirer nous en bas situation ça et puis pour monde qui gagne autorité yo monde ça yo qui connaît dans un certain sens que yo complice à ça que cap fait yo pour prendre conscience de dégâts bagay ça a fait avec société haïtienne pour être capable vraiment bailler pays d'Haïti une chance. Frère avec ce mieux, les textes d'aujourd'hui que nous venons d'entendre soulignent la nécessité pour les chrétiens de demeurer dans le Christ comme condition pour produire des fruits de bonté, de miséricorde, de charité, de justice et de sainteté, quelle que soit forme de fruits que nous voulons produire dans la vie, non, eh bien, il faut que nous restions attachés avec Jésus-Christ qui dit non, lisez pieds, raisins. Et c'est papa qui est cultivateur, et nous-mêmes, nous sommes branches là, eh bien, c'est pour nous rester collés sur lui-même si réellement nous voulons porter fruit dans la vie, non. Dans ce passage, Jésus enseigne que à ses disciples en utilisant une métaphore très importante. Une métaphore, c'est une figure de discours que Mouna, professeur là, l'a utilisé pour être capable de faire un enseignement passé. Et même Jean, ouais, Jésus était toujours à prendre des images qui vraiment qui ont signification dans la vie courante là pour être capable de faire un message passé pour le montrer nos relations qui existaient entre lui-même avec papa, entre lui-même avec nous et relations qui doivent exister entre nous-mêmes qui collaient ensemble comme des feuilles, des branches qui collaient sur un pied bois, eh bien, qui fait un seul là, eh bien, nous devons, ces connexions, ça, qui fait que nous sommes capables de gagner la vie de nous-mêmes, nous sommes capables de produire des fruits parce que nous étions attachés avec lui-même. Remarquez bien que Jésus utilisait, en parole, il dit, c'est vrai, pied raisin,
la vraie vigne, je suis la vraie vigne. L'utiliser mot ça pour capable faire nous connaître, et même Jean était ouais dimanche passé, il dit je suis le bon gardien. Il dit nous faut nous faire attention parce que c'est pas tout le monde qui dit c'est gardien et puis c'est gardien tout gagner. Mauvais gardien, bien c'est des voleurs, des mercenaires que il faut faire attention avec Mounsayo. Il y a des fausses vignes, des mauvais pieds, raisins, il y a mauvais enseignements qui circulent tout partout. Et surtout nous-mêmes, je dis, hein, à partir de réseaux sociaux qui ont développé une autre forme de connexion pour que nous capables de joindre des messages en temps réel. C'est vrai que nous avons une possibilité pour nous partager des messages en temps réel, mais il faut faire attention avec les messages ça, parce que il y a des mauvais enseignements que nous avons à partir de messages ça. Et c'est ça que Jésus a dit nous, il a dit, je suis la vraie vie, je suis le bon pasteur. Faites attention. Parce que il y a des gens qui sont capables de venir pour perturber nous, venir mettre des troubles dans les temps, il faut que nous vigilants et il faut que nous agissions avec intelligence. Il y a d'autres systèmes de croyance. Et pas tout le monde, Jésus te dit, non, c'est pas tout le monde qui a dit, Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume de Dieu en dernier temps. Il y a des gens qui parlent, la foi n'est pas même pareil. Même si nous recevons même la foi, qui permettent que nous unions ensemble pour être capables de communier nous ensemble et bien vivre ensemble dans une seule communauté. Mais pour une raison ou pour l'autre, ce n'est pas nous tous qui faisons le même effort au niveau spirituel, qui gagnent la même capacité pour nous capables la prière, et bien qui sont capables de connecter nous réellement avec Jésus, avec pied, raison ça. Ce n'est pas tout le monde qui gagne la capacité en endurance dans la prière. Pour capable rester vraiment rester attaché pour capable nourrir pour capable joindre racine capable et grandir et bien pour capable frais grand fraîcheur qui dégage la caillou parce que était attaché avec pied bois ça qui baille la vie hein, qui c'est Jésus-Christ. Il y a l'autre religion. Et pas toute religion que moun tande, il y a des moun qui anti-jan ouvri, eh bien, moun fait ça ouvre avec yo, bien dit, yo ka courir à gauche, courir à droite. Jésus dit non. Yo ka pas prêler nous pour faire courir à droite, il dit yo ka dit nous même moi là, même l'autre bord, pas occuper moun ça yo. Parce que religion ça yo, eh bien, yo pas penser avec vérité, faut faire attention avec yo. Gen l'autre vision, gen moun ki partage l'autre vision que yo gen du monde là et qui a fait nous comprendre que si nous pas rete attaché connecté ensemble avec yo, eh bien nous pas gen la vie dans nous-mêmes. Jésus dit faut faire attention à ça. C'est peut-être ça que li dit nous, mais c'est vrai pied raisin. Je suis la vraie vigne. Pour nous capables de possibilités nous-mêmes, capacité pour nous capables de faire distinction, parce que d'ailleurs, bon Dieu, depuis notre création, nous, comme nous, eh bien, nous déjà avons cette capacité pour nous capables de faire bon genre de discernement, pour nous distinguer le bien et du mal. Ça veut dire que nous capables reconnaître ça qui est bon. Les branches doivent être attachées à la vie principale si elles veulent être vivante et portée de fruits. Si nous voulons produire fruits dans la vie, nous faut que nous restions attachés avec pied bois, pied raisin. Nous devons rester dans sa parole afin de vivre dans la vérité. Parole bon Dieu, c'est une parole qui libère nous. Nous devons prier constamment afin que nous ayons son point de vue sur toutes les questions. Dans la prière, bien, la prière permet que nous découvrions une série de bagailles, richesses qui gagnent pour nous comprendre certaines choses qui ont passé autour de nous-mêmes. Nous devons dépendre de son esprit afin d'avoir le pouvoir de le servir. Pour nous faire plus de sacrifices, c'est l'esprit, mon Dieu, hein, qui a fait nous faire plus de sacrifices pour nous servir Jésus et servir l'Église. Hein. Nous devons rester en communauté avec d'autres
branche afin de pouvoir célébrer la vraie vigne. La vraie vigne, c'est Jésus, son Père est le vigneron et les disciples sont les sarments. Ces derniers ne pourront porter du fruit que s'ils demeurent attachés au cep. C'est seul moyen ça. Jésus, d'ailleurs, il déjà ben nous garantit ça. Si nous étions attachés avec lui-même, n'a produit de bons fruits. Et moun ka, ouais, que réellement ça a passé dans la vie, non, si nous étions attachés avec lui. Ces fruits que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Ces premiers fruits que, d'ailleurs, Saint Augustin te dit, aimez et faites ce que vous voulez. Ces premiers fruits que bon Dieu attend de nous-mêmes, l'amour. Si vous avez l'amour dans le cœur, vous n'êtes pas capable de faire fort mal. Eh bien, c'est certain, c'est bien, et Moussila qui a pris plaisir de kidnapper les gens, qui a tué les gens comme ça chaque jour en Haïti, eh bien, ça qui manque, eh bien, c'est l'amour. L'amour, l'agapé que nous recevons là, qui c'est un don de Dieu. Et c'est lui-même pour nous quitter produit fruit dans nous-mêmes. Et les cas produit fruit si réellement nous étions attachés avec Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui souffre là, c'est là dans lui que nous sommes capables de grandir en amour. Et vous fruit l'amour, bah, il faut nous avec ce New York. C'est une attention que toute particulière aux pauvres. C'est fruit ça que Jésus m'a dit. Nous avons l'amour dans le cœur, nous avons la valeur avec ça qui est pitié, les pauvres. Nous avons l'humilié parce que nous sommes pauvres, parce que nous n'avons pas gagné. Les pauvres, ils ont souffert en pile. Eh bien, si nous n'avons pas capable d'accueil, eh bien, il y a senti que ça ne vaut pas la peine de vivre. Eh bien, il n'y a pas besoin de sens à vie. Eh bien, si vous avez des gens qui accueillent, et puis ça fait qu'il y a intégré dans la société, eh bien, il y a venu découvrir que ces gens qui ont tout bon vrai, eh bien, malgré la pauvreté, eh bien, ils sont capables d'accepter les conditions de vie hein, pour continuer à vivre. Hein. Mais si nous-mêmes, nous excluons, nous humilier, nous pas bailler place, nous pas bailler valeur, eh bien, moun sa yo, y a senti que yo rejeté dans société a, eh bien, c'est fruit sa yo que Jésus attend de nous-mêmes parce que nous sommes ses disciples et Jésus t'a gagné une option préférentielle pour les pauvres. Il a opté pour les pauvres. Il s'est sacrifié pour les pauvres. Li bailler la ville pour pauvres aussi là yo qui pipiti, yo les exclut. Qui sont de plus en plus nombreux en cette période de crise, de pandémie. Il y a un peu de monde qui vient s'acter plus pauvre, s'acter plus malheureux. Eh bien, on vient rentrer dans une situation très difficile. Voilà, Jésus m'a donné pour nous rester attachés avec mon saillot. Qui, Jean? Je crois que c'est une belle image, image de Pierre ça que Jésus m'a donné. Parce qu'il a rappelé nous que nous sommes des branches. Eh bien, gagnent des branches qui étaient qui à partir de crise qui désattaché qui déconnecté à la source qui déconnecté à l'église pendant que l'a fait des efforts pour nous ramener mon Dieu pour retourner au bercail. Je pense que c'est une belle image et bien la vie et puis les branches que Jésus ben nous comme image pour nous montrer connexion qui existe entre nous-mêmes avec bon Dieu depuis le jour baptême nous et connexion ça qui doit exister entre nous-mêmes avec l'église nous avec communauté nous que nous font seul avec communauté nous qui c'est l'église non c'est pour ne pas jamais briller que si là yo pauvre yo malheureux eh bien yo gagné première place dans le cœur bon Dieu, yo gagné première place dans le cœur Jésus. Il y a un mot qui revient cette fois en ces quelques lignes, c'est le verbe demeurer. Rester dans moi-même au sens de vivre avec moi. Jésus fait nous une invitation pour nous rester dans moi-même. Et tant qu'on sont des monde qui capte la rue hein et bien maman avec papa qui a une expérience de ça qui connaît la rue bon malheur arrivé dans la rue en vulnérable
N'importe qui bagaille qui arrive, on l'a dit petit, rete chita, non, rete tranquille, rete là. Parce que les gars expérience que les connaît sont sortis, eh bien, ils ne sont pas capables de faire rien encore parce qu'ils sont déconnectés avec les entrailles ou avec les familles, eh bien, ou vulnérables. N'importe qui bagaille qui arrive, eh bien, c'est Jésus qui a gagné expérience, qui a invité nous à connecter nous, rester dans la connexion ça, qui existait entre nous-mêmes avec bon Dieu. Demeurez en moi. Vivez avec moi, et c'est ça que Jésus a invité nous. Il s'agit pour nous d'être vraiment attachés au Christ par la foi. Nous tellement aimé Jésus-Christ, d'ailleurs nous te dit ça depuis le jour baptême. Nous n'avons pas rien qui est capable de séparer nous de lui-même. Tu mets c'était mauvais temps, grand goût, pas de ranger, pas de travail, pas de rade, eh bien, quelle que soit la guerre, nous te dit ça. En quoi ces paroles nous édifient? Là, nous te dit on bagaille et puis nous pas été fidèles avec promesse que nous te fait ensemble avec Jésus. Demeurer en Jésus, ça veut dire croire en lui, faire confiance dans tout temps. C'est une conversion de toute une vie. C'est pas un bagaille qui est facile pour que nous toujours à la recherche de Jésus. C'est une communion permanente à travers les prières personnelles. Ou a senti que on nécessité pour développer cette relation intime avec Jésus-Christ dans la prière personnelle ou à travers la liturgie de l'église à offrir spécialement dans le mois de mai ça qui c'est le mois de la Vierge Marie et comment nous capables faire des rosaires chapelet ensemble même si c'était en famille même si c'était deux trois ensemble moun nan kay la nous chita ensemble nous disons chapelet ensemble et bien c'est nous censé nous ressourcer nous de manière spirituelle et que nous besoin bagay ça et c'est ça ça veut dire demeurez en moi. La fréquentation des sacrements et le monde qui pas communier ça fait longtemps qui raison pour faire pour nous participer à la messe et puis pour pas capable recevoir le saint sacrifice de l'eucharistie le corps et le sang de Jésus. Jésus dit monde qui mange corps qui boit sang la bien la vie dans nous même même gens pied bois ça yo branche ça yo yo été attaché avec pied bois yo gain la vie dans eux même. Ou pas que la vie dans ou même, c'est pas parole l'église, c'est pas parole pape, c'est parole Jésus qui dit, sous pas recevoir quoi, ou pas personne, ou pas que la vie dans ou même, c'est pas parole pape, c'est parole Jésus, et qui j'en nous même, nous qu'à chercher, faire effort, retirer tête nous dans situation qui fait que nous pas capables de communier, nous pas capables de faire un seul avec Jésus-Christ, un seul avec l'église là, qui invite nous, qui prépare table là, manger à fête, eh bien, nous invite nous, voilà, avancer, venez recevoir corps avec sang Jésus-Christ, venez manger, avancer, venez manger. Pour nous capables de gagner la vie dans nous-mêmes, à travers sacrement l'Eucharistie et surtout, à travers sacrement de la réconciliation, le pardon. Il faut chercher le pardon de Dieu, ne pas qu'embé péché a. Il faut avoir le sens du mal, le sens du péché pour nous reconnaître que nous sommes pécheurs, nous faisons mal, et puis pour nous chercher le pardon et la miséricorde de Dieu. Si on a marché à vivre et puis n'est pas jamais mal confessé, mon ça, qui sont faits avec péché. Et si vous mourrez, bien la mort qui a la mort et qui a pas prendre sans attendre. Et si vous mourrez dans le péché, comment vous faites entrer dans le ciel et que si vous ne pouvez pas confesser, faut confesser pour capable recevoir le pardon. Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père a bon absolution, sentez-vous léger parce que le péché ça au côté de l'Église qui prend, qui gagne sa autorité, qui gagne clé et pour ouvrir et fermer la porte du royaume de Dieu, eh bien, les libéraux de péché ça, eh bien, qui avantage comme on gagne, eh bien, pour qu'un péché pour pas venir confesser, eh bien, c'est que la grâce de Dieu disponible pour grâce là, eh bien, tant de grâce, comme on dit, tant de faveur, d'arriver et puis nous pas profiter de lui-même.
Et ça qui a fait que nous venons une communauté qui est spirituelle. Et là, nous avons une communauté côté Mounio, il y aurait même confessé, eh bien, ou après la communauté ça, la marché, eh bien, il y a un bagage, il y a un pile progrès que nous avons fait. Parce que le péché, le mal, là, l'irrité dans le cœur, eh bien, nous sommes indifférents par rapport avec Dieu, indifférents par rapport avec frère, avec soeur, eh bien, nous venons comprendre que nous venons orgueilleux, nous venons sentir que comme si ou bon, eh bien, ou accepter tête ou j'en ya, eh bien, c'est pour moi qu'on accepte ou j'en ya, pourtant, non, ou c'est pécheur, ou fait erreur, eh bien, il faut, avec humilité et simplicité, il faut chercher le pardon et la miséricorde de Dieu. Tout balade, ça va permettre que nous restions demeurés dans Jésus, la veuve, comme les serments, pour être capable de porter fruit. L'évangile nous dit que pour produire du fruit, la vie a besoin d'être taillée. Il faut gagner un nettoyage qui fait. Et depuis qu'il y a un nettoyage qui fait, eh bien, gagner une pète qui est capable de faire. Il faut accepter ça, il faut accepter de faire un sacrifice. À la bonne saison, le vigneron sacrifie un certain nombre de temps pour améliorer la récolte. Si vous voulez gagner une bonne récolte, il faut prendre temps pour ça, il faut préparer pour ça. Il faut préparer le jardin, il faut faire des nettoyages. Il accepte de perdre pour gagner. Il y a des gens qui n'ont pas accepté de perdre. Il faut accepter de perdre pour gagner. Il faut accepter de faire sacrifice sur la vie, parce que la vie n'est pas aussi facile, bien, jusqu'à ce que pour arriver avec une solution, un bagage qu'on va chercher, eh bien, il faut accepter de faire sacrifice dans la vie. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas capable de joindre un sens de la vie. Hein. En effet, de nombreux textes nous parlent de renoncement. Nous jouons dans l'évangile là, côté esprit de sacrifice, que Jésus, même Jean avec vigneron, qui a fait sacrifice pour être capable d'avoir une bonne récolte, Jésus a demandé nous-mêmes tout et lui parle dans l'évangile là pour nous capables de faire un renoncement de nous-mêmes. Les gens qui veulent suivre lui. Pour nous faire une rupture, un détachement de bagailles que nous sentis qui servent dans la vie, nous comme obstacle. Qui ça qui servit comme obstacle dans la vie personnellement pour me faire un bon chrétien, pour me faire suivre Jésus-Christ tout bon vrai. Qui ça qui servit comme obstacle dans la vie moi pour me capable vivre bien avec frère moi avec soeur moi yo? Est-ce que c'est rancune? Est-ce que c'est l'orgueil là? Est-ce que c'est prétention que me gagne? Est-ce que c'est mon esprit de supériorité que me sentis des fois comme supérieur par rapport avec frère moi qui fait que me pas capable à le réconcilier ensemble avec lui, à le faire la paix ensemble avec lui? Chaque monde qu'a cherché pour nous garder obstacle que nous gagnons dans la vie, nous qui empêchons que nous tournions un bon réellement que Jésus lui-même livrait pour nous y aller. C'est ça que nous relais, un renoncement. C'est ça que nous relais, une rupture, un sacrifice pour capable faire, pour arriver de type de monde que bon Dieu besoin pour y aller. Et quand Jésus parle, quand Jésus appelle ses disciples, ces derniers doivent tout laisser derrière eux. Jésus dit, mon irélé pour lui suivre là, c'est pour quitter toute bagaille. Quitter toute bagaille, n'est pas facile. Poursuivre-lui. Et des fois, nous-mêmes, des religieux, des prêtres, et là, ça, alors, on va garder pour eux une incompréhension dans le peuple là encore. Pour faire sacrifice, pour dire Jésus oui, pour Yoa, et ça fait la peine, ça fait mal. Parce que vous abandonnez tout le bagaille. Vous dites oui. Si vous ne connaissez pas qui j'ai demain, si Dieu veut pour allier, qui type d'obstacle que vous pourrez rencontrer dans oui, que vous dites Jésus oui. À. Voilà pourquoi les religieux, les religieuses, c'est des gens pour nous capables. Toujours la prière pour eux, toujours bailler accueil.
toujours bayon esprit de fraternité, de solidarité pour nous montrer que nous comprenons le sacrifice que vous faites au prix de la vie pour être capable de dire oui à Jésus pour continuer la mission en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de bayer le don de vous-même, faire don la vie pour cause royaume, mon Dieu. Nous, les difficultés qui gagnent des fois, pour des mounes, pour consacrer même une heure de temps et demi pour venir la prière, eh bien, le jour dimanche, eh bien, ou même qui, c'est une grâce que bon Dieu fait, ou sous qu'a dit oui, eh bien, ou accepter by tout ou même dans la mission Jésus-Christ. Et son mission que Jésus lui-même lui confie, pas seulement avec des religieux, des prêtres, mais à vous tous, à tous les baptisés. Quel que soit le niveau nous y est, nous devons participer à la mission de construire le royaume de Dieu. Quel que soit le type de mission, le niveau de ça à faire, Jésus attend quelque chose de nous-mêmes. Au jeune homme qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle, Jésus répond, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras le trésor du ciel, puis viens et suis-moi. Jésus m'a dit pour quitter tout le bagage, si vous voulez servir, voilà. Et il dit que Nexa, jeune homme ça, il était parti tout triste, il quittait Jésus tout triste, parce qu'il sentit que pour la vendre toute bagaille et puis pour le distribuer aux pauvres, pour le pas posséder rien. Ça veut dire réellement faut qu'on la foi qui est assez solide pour qu'arriver à faire ça. Réellement faut son monde qui comptait sur le Dieu de la providence. Dieu y pourvoira. Parfois on dit ça. Et il y a des gens qui font expérience. Et nous-mêmes, les prêtres, les religieux, les religieuses qui baillent la vie, nous, dans le travail là, nous faisons expérience chaque jour de la providence divine. Qui, genre, Dieu vraiment, il pourvoira. C'est lui qui prend soin de nous-mêmes. C'est lui-même, des fois, dans un moment, sans attendre, sans penser, eh bien, il prend soin de vous. Il connaît, qui soucie que nous avons traversé, voilà. Li voyez constellation ben nous-mêmes pour encourager nous dans la mission pour nous connaître comme il a dit à ses apôtres ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Et bon Dieu qui relève nous, faites confiance, dites oui avec tout cœur, nous servir avec tout ou même tout cœur, ou pas manquer rien, acceptez fonds en véritable conversion, en véritable changement dans la vie, en détachement, changer fusils, épaules, c'est ça où est les conversions. Pour l'autre direction, parce que soutenir la direction ça pendant des temps, des années, puis ça va marcher. Pour ils sont obligés, qu'aimer même balala, il pas marché. S'il t'a marché déjà, il pas marché. Pour qu'il soit obligé, Kembe, suivre même bagarre. Jésus m'a dit pour faire un changement dans la vie. Jésus m'a dit pour faire une priorité dans la vie. Jésus m'a dit pour faire un sacrifice dans la vie. Et bien, si faire un sacrifice, lui-même, la mort 100 fois plus. Et ça qu'il dit, eh bien, dans la vie, ici, la mort 100 fois plus. Et dans l'autre bord, l'éternité, la béatitude éternelle, la vie de l'au-delà, la vie de près de Dieu, vivre avec Dieu. C'est pour ça que Jésus fait nous et nous content. Un autre jour, il recommande à ses disciples de prendre la dernière place pour être premier. D'ailleurs, lui-même, il était pris en dernière place là. Lui-même qui premier, lui-même qui sait, la lettre aux Hébreux nous dit, lui qui est de condition divine ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est rabaissé, il a fait la kénose, il mettait le tout petit
pour qu'elle lave pied partisan yo. Il prend job esclave là pour qu'elle montre nous, enseigner nous humilité. Et c'est comme ça qu'il dit, soumettez-vous dans la plus bas position, et eh bien, les gens qui baissent la tête, bon Dieu, a levé là. À plusieurs reprises, il les met en garde contre le danger des richesses. Nous, les richesses, c'est eux-mêmes qui ont fait, nous fait tout tintin que nous avons passé sous la tête, quel que soit dans le pays, un grand paquet de côté dans le monde. Ce n'est pas Haïti seulement, Haïti pas bon. L'argent, richesse, eh bien, pouvoir, eh bien, il fait moun faire grimace, il fait moun tuer moun, il fait un moun gain un durcissement de cœur pour que, bah, il y avec frère, nous vienne faire que son bagage qui prend rien, éliminer la vie, sans nous pas penser que nous-mêmes, qui type de monde qu'on parle mourir, demain si Dieu veut, qui j'ai la vie pas, on parle passé, ou même qui mettait mains trempées, dans la vie frère ou avec soeur qui mourit, hein, ou pas même penser avec propre tête pas, ou même penser des fois avec famille, qui sait quoi arriver avec famille, il y a des comportements qu'on gagne dans la société, qui est capable d'affecter même famille demain. Richesse, faites attention. Jésus m'a demandé pour nous capables convertir, pour nous capables libérer nous de toutes ces chaînes qui nous empêchent d'aller à lui. L'évangile est une rude école de mondage. Il nous invite à nous libérer de notre orgueil et de notre égoïsme, à nous désencombrer du superflu qui nous paralyse. Sœurs et frères bien-aimés, chaque dimanche, nous nous rassemblons en église pour nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. La messe, c'est ça, nourrit-nous à partir de parole de Dieu. Hein. Sur l'école, la célébration de la parole de Dieu, c'est comme l'école, les protestants les appellent, l'école du dimanche. Nous ouvrons-nous pour nous capables de recevoir l'enseignement qui c'est la parole de Dieu, qui sont nourriture que nous avons besoin pour notre âme. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de la parole venant de la bouche de Dieu. Eh bien, qui soit ou même qui n'a jamais fréquenté l'église, qui n'a jamais pris le temps pour lire la Bible, pour tendre les paroles de bon Dieu, hein, qui côtoie nourrir ou même hein, de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus, je ne se dis hein, qui boit la vie. Le Christ est là, présent. Il rejoint les communautés réunies en son nom. Ils font seul avec nous aujourd'hui, hein, puisque il était dit depuis deux ou trois réunis en non, il est là dans le temps. La prière que nous lui adressons nous invite à nous tenir debout devant lui. Où nous jeûnons force extraordinaire parce que nous connaissons pas pour compte nous Christ là avec nous. C'est auprès de lui que nous puisons la force de prendre part à la lutte contre le mal et le malheur des hommes. Dieu accueille notre prière et il nous envoie l'Esprit Saint en vue de cette mission. Demandons-lui, sœurs et frères, qu'il nous garde reliés à lui pour que notre mission porte des fruits qu'il attend de nous. On nous demande, moi la Vierge Marie, moi Méa qui commençait, on demande Maman Marie, secours pour nous-mêmes, secours pour le monde là, secours pour Haïti, Maman perpétuelle. Que notre Marie, notre Dame du perpétuel secours, des saints, exemple de communion parfaite avec son divin Fils nous aide. Qu'elle nous enseigne à demeurer en Jésus comme des serments demeurent à la vie et à ne jamais nous éloigner de son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.